Bonjour et bienvenue, on est reparti pour plus de la survie de week-end sur The Long Dark. Donc nous sommes ici. Nous sommes ici, la voie ferrée détruite. Nous sommes quelque part ici, faut qu'on dessine. Il fait jour. Donc ce qu'on peut faire pour passer un peu le temps, on peut faire ça. Faut qu'on récupère de la nourriture, absolument, parce qu'on a strictement rien en fait de côté. Je vais voir un peu calories. Ouais. Il fait. Ah oui, ça y est, il fait chaud. Okay. Let's go! On va aller chasser. Récupérer du bois, etc. etc. C'est parti. Mauvais côté. Alors, il nous faut un loup. Ah, bien sûr, évidemment, il a eu peur. On a une grotte ici. C'est pour me cacher du vent. Vas-y, ramène-toi. C'est pas mal là, on sera à l'abri du vent. Aïe, il va faire froid. C'est bon. Qui fait assez beau pour On a un peu de bois à l'intérieur du bâtiment, on va peut-être y retourner pour récupérer un peu ce qu'on veut. Elle est où la grotte? Mais il n'y a pas de grotte en fait. What? Il n'y a pas de grotte en fait? Ok. Non. Ah. Apparemment, il n'y avait pas de grotte, d'accord, je ne sais pas. J'arrive pas à... Ok. Il n'y a pas de grotte ici. Ok. J'étais persuadé qu'il y en avait une. Puis en plus, vu la, la déco. Alors, pour faire un feu... En extérieur ici. Je vais être franc, je sais pas vraiment. Ouais, je sais pas vraiment où le faire. Ah, on peut le faire à l'arrière. À la limite. On peut le faire à l'arrière, je dirais. Il y a un écho ici, c'est marrant. On a des allumettes. Ouais, on est bon. On peut le faire à l'arrière et le cacher dans le petit recoin, là. Genre là. Je dirais que c'est le meilleur. Ah! Côte-côte. Là, c'est les oiseaux, ça. Là, ça c'est pas un oiseau ça. Oh, ils sont en dessous. Ah, les oiseaux ils sont là. Là on entend un ours. Hein. Quasiment certain on entend un ours. Et l'ours il est en bas. Euh...
Un truc qu'on peut faire, c'est... Ouais, je sais pas. On est à combien ? Ah, très bien. Ça va nous faire récupérer un peu de vie aussi. Quasiment certain que le... C'est vraiment chiant ce truc là, on peut pas passer. Ah, me dis pas qu'il va y avoir encore une tempête. Je suis quasiment certain que l'ours il est juste en bas en fait. Ouais, juste là. Alors, est-ce qu'on essaye de... On essaye d'attraper les oiseaux. Tu vois un peu... Ouais, non, ça va. Très bien. Ils sont en montée par contre, ça c'est chiant. Alors on avait un loup là-bas qu'on avait tué aussi la dernière fois. Alors est-ce qu'on va le récupérer ou pas? Ça c'est un peu la question. S'il n'y a pas un truc plus proche, ça serait bien. Ok, le... ça s'est un peu calmé. On va essayer de faire tenir le feu le plus longtemps possible à l'extérieur. Parfait. 2 kilos de viande, c'est parfait. On va essayer de faire quelques oiseaux là. Je suis pas certain que ça passe, mais au moins on en fait quelques-uns. Donc on a encore 2 steaks à cuire. Ce qui est très bien. Après on a un chemin qui passe comme ça là. Faudra peut-être visiter un peu. J'aimerais bien avoir un carquois, oh là là. Ah, on les voit, on les voit. Ça fait longtemps que j'en ai pas chassé. Hein. What? Mais nique-toi le... Bois un coup, reste calme. Bois un coup, reste calme. C'est rien. C'est rien. C'est rien. C'est juste qu'on sait pas coder une hitbox. C'est rien, c'est rien. Tout va bien. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ah ben putain!
ta mère. Bon, c'est pas grave. Ah là là, désolé de m'être énervé. Désolé. Je sais pas ce qui s'est passé. Je sais absolument pas ce qui s'est passé. En plus, on a tiré plusieurs... On a tiré différentes flèches. Donc du coup, elles vont toutes être abîmées. Tout ça, c'est chiant. Enfin, je vais en avoir plusieurs qui sont abîmées. C'est relou. Désolé. Moi, quand il y a des... Et ça, c'est... Et ça, on peut voir que ça, c'est un arbre. C'est un nouvel arbre avec les glands. Là. C'est un nouvel arbre. Donc du coup, le problème vient vraiment de l'arbre. Il a été rajouté sûrement à la va-vite. La hitbox, elle a pas été gérée. Que dalle, comme d'hab. Voilà. Ça, on commence à être habitué. Ça, je voudrais absolument le finir. Ah merde, mais il y a 2 heures encore. Je crois qu'il y a encore une. Seulement qu'une heure. Ça se passe bien. Ça, on est d'accord que ça a pas changé. Hein. Ouais, c'est toujours, c'est toujours affreux. Le temps, strictement pas changé. Tout va bien, c'est juste des fois. Des fois, voilà quoi, ça se passe. Ça se passe d'une certaine façon. On espère que ça se passe d'une autre façon. Hein. Tout va bien. Y a aucun problème. La barbaque encore. Ah oui, les pigeons. Ah oui, les pigeons en eux-mêmes. Ah, c'est chier. C'est pas des pigeons, pardon. Mais ouais, les oiseaux en eux-mêmes, ils nous font sentir la barbaque, du coup. Ça, c'est chiant. N'oublie pas de jeter un œil au boîtier de don. De donne, hein, sûrement. Oh mon dieu, qu'est-ce que c'est loin. Pour revenir là. Ok, d'accord, ça marche. Faudra y penser. Faudra y penser. Qu'est-ce qu'on fait? On va récupérer la viande du chien. Ouais, je pense qu'on va aller la récupérer. Parce qu'il n'y a pas énormément de choses. Je pensais qu'il y avait des lapins ici, honnêtement. J'étais persuadé qu'il y avait des lapins. Apparemment, non. On l'a tué où exactement? On l'a tué loin? Ouais, quand même. Donc vous voyez le chemin, nous on doit le prendre, c'est là-bas. Oh non, mais non! Mais tu te fous de ma gueule, Interland!
Oh là là. Il y a toujours ce problème, hein. Non, mais ils se foutent de nous hein, quand ils disent qu'ils corrigent les bugs. Ils se foutent complètement de nous. Hein. Enfin, après, on a accès aux chiens, à la limite. On a accès à la carcasse. C'est juste que la hitbox de la carcasse n'est pas exactement, évidemment, sur la carcasse. Avant, le bug, il était tellement grave qu'en fait, on pouvait pas avoir accès à la carcasse du tout. Mais depuis une mise à jour, parce qu'avant, ça arrivait jamais, c'est depuis cette année où, à un moment, il y a eu une mise à jour qui a complètement merdé ça. Et depuis, ils n'arrivent pas vraiment à corriger le problème. Ils l'ont amélioré, bien sûr. Mais c'est pas 100% corrigé. C'est très très embêtant. C'est fou quand même. Hein. Allez, on va arrêter de parler des problèmes. Tout va bien. Dans le meilleur des... En plus il fait soleil. Il y a un peu de vent mais c'est pas grave. Il fait soleil. Genre on pourrait aller à la plage là. Ce serait nickel. Ah mais j'étais persuadé qu'il y avait des lapins quand même. Enfin, on en a pas vraiment besoin, hein. On a assez de viande. Hein. J'ai perdu. Ok, j'ai perdu, c'est cool. Bon, après c'est un peu ma faute. Hein. On va peut-être lire le livre, comme ça, ça sera fait. Ouais, comme ça, ça sera fait. Et on peut le jeter. Bon, bah voilà, ça se passe bien, tranquille. On a récupéré ce qu'on a fait. On va encore dormir ici. Hein. On va dormir encore ici. Puis après, on va partir. Puis on partira, pardon, la nuit prochaine. On a trouvé une clé. On a trouvé un endroit. Une fois allé, ça c'est pas mal. Ça, je suis content. On va déposer le livre parce que 0,50. Ces trucs-là, il faudrait les déposer aussi parce que ça prend de la place, mais je sais pas où. On n'a pas de container en fait. Ouais, on peut tout déposer. C'est un peu le bordel, mais... Voilà. Ça nous fait... Ça nous fait de la place. Je pense que je prendrai tout quand je partirai. On va prendre du tissu aussi. On va prendre un peu de tissu, quand on ait du tissu un peu de réserve et tout ça. Mais t'es sans déconner quoi. Fallait que le vent il souffle juste comme ça, c'est incroyable. Ça protège pas, les barils ça protège pas du tout en fait. Faudrait le mettre vraiment dans un coin. Aïe 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 aïe. Incroyable.
Ça va, ça on va les faire à la maison. Magnifique le temps, magnifique. Putain, ça me fait plaisir. On va un peu s'avancer, histoire de récupérer quelques ressources qui traînent. Je vais déposer les oiseaux là, parce que ça sert à rien. Ça on est bon, l'eau on devrait être bon. L'eau je crois que j'ai déposé 2 litres. Je commence à être un peu fatigué, ça en rouge. Très bien. Alors on va vite, hein. On fait beaucoup de choses en peu de temps là, mais au moins c'est fait. Ah, je suis déçu là du vent. Déçu. Non, je peux pas, ça va pas marcher. Ah, peut-être que... Yay! Ah, on dirait vraiment que le vent avait décidé de faire exprès. Hein. On n'est pas extrêmement fatigué, on pourrait peut-être un peu sprinter histoire de se fatiguer. Parce qu'il va faire... Enfin, il va faire... Après, ce qu'on peut faire, c'est... Alors, je crois que ça marche. Déplumer à la main pendant la nuit. Parce que du coup, on n'utilise pas d'outils, donc on peut le faire pendant la nuit. Je vais regarder s'il n'y a pas des massettes qui traînent, mais je vois rien du tout. Non, je vois rien du tout. Non. Là, il y a des champignons par contre. Là aussi, tiens. Je me rappelle plus les champignons. Il faut les préparer ou pas pour les repas là, pour faire les recettes. Oh, on a vraiment pas de chance là. Là on a tempête sur tempête, c'est vraiment pas fun. Même ça en théorie il faudrait pas les faire. Mais bon. Ah oh, évidemment le vent il a... Oh là là le vent. Bon, allez, on rentre. Bon, on va peut-être pas pouvoir faire grand-chose, j'avoue. On va déplumer les oiseaux, là, comme ça c'est fait. De toute façon, j'ai pas... Techniquement, j'ai pas grand-chose à faire d'autre. Ah, on peut peut-être coudre. Ça n'a rien coudre, fais voir un peu coudre. Parce que coudre, on utilise des outils, à la limite. Alors, ça c'est mort. Faut que j'en fasse un autre. Ouais, faut que j'en fasse un autre. C'est pas là, c'est là. Je
Ah ça. Ça devient humide assez vite, hein, je trouve. J'ai l'impression que c'est un peu plus qu'avant. Non? Ah, c'est peut-être... peut-être juste une impression. Sûrement. Je vois un peu. Ça augmente rien du tout, c'est ouf. C'est assez incroyable. Ah oui, c'est 3 tissus en plus, les rideaux. Vachement bien. Par contre, on devrait peut-être se mettre... ouais. On devrait peut-être se mettre à l'étage devant Ali déjà. Parce que sinon, trouver où on doit aller pendant le noir, c'est un peu la catastrophe. C'est possible, hein, mais bon. C'est pas vraiment super recommandé. Voilà, très bien. Et on va faire les oiseaux. Normalement ça marche, hein. C'est sans. Voilà, très bien. Je vais voir un peu. Alors, on commence à être fatigué. On va peut-être en faire un entier encore. Très bien. On pourrait en faire un. Enfin, un dernier. On va pas dormir beaucoup. Hein. Tiens, on a une aurore boréale. Je sais pas si on a... De toute façon, c'est pas grave, on est trop fatigué, mais... je sais pas si on a une cache ici, tiens. Ça fait longtemps que j'ai pas... pas penser à ça. Ouais, je sais pas si on peut trouver une cache avec la radio ici. J'ai aucune idée. Peut-être. On n'est pas à fond hein, comme ce que je pensais. Par contre, il y a l'eau qui va peut-être nous poser un problème. Il faudrait qu'on aille à la limite récupérer la... Le faitout. Non, pas le faitout. La poêle. La poêle à frire. Comme ça, on pourra faire de l'eau si jamais on a besoin. Qu'est-ce qu'on fait? On sort. Enfin, on va partir à l'aventure. Je sais que où je veux aller, il y a une... Non, en théorie, il y a une grotte. Donc, on peut se mettre à l'abri à la grotte. Donc, voilà quoi. C'est pas grave, grave. On va pas être à la merci des éléments. 25, ça c'est bien. On pourrait y aller. On pourrait y aller. Le temps est légèrement pourri, mais bon. Au moins, on va explorer. Donc on récupère du bois. On se part là-bas. Ah, le temps est pas top. Faire attention parce que c'est possible qu'on ait des invités. Donc on va prendre de la hauteur. On va passer par là. Non, c'est par là la direction qu'on veut prendre. Donc du coup, on va contourner un peu.
le vent est un peu catastrophique. Mais... Ok, on a un cerf ici. Donc ça nous fait... Ah non, tu vas pas me dire qu'il y a encore un blizzard. Ah oui, complètement. On va rentrer, se mettre à l'abri, ça sert strictement à rien de forcer, ça sert vraiment à rien de forcer. Parce que le chemin est un peu long et un peu difficile. Enfin non. Si, il est difficile de naviguer en fait dans le blizzard, et je me rappelle plus vraiment. Donc c'est pour ça que je préfère... Je préfère attendre. Du coup, qu'est-ce qu'on peut faire? On va récupérer un peu de tissu. Après ça se passe bien, c'est juste que bon là on fait aller-retour sans cesse. Parce qu'on n'arrive pas vraiment à avoir un temps qui est potable. Là j'ai l'impression que ça va durer toute la journée en plus. On a lu le livre. On a réparé les choses. On a de l'eau, on a de la nourriture. On pourrait peut-être casser des chaises pour faire du bois. C'est vrai que ça serait une idée, ça. Très bien. Si ça s'est calmé, on peut y aller. Oh, regardez-moi ce bordel par terre. C'est pour ça que j'aime pas déposer les champignons, les baies et tout ça. Ouais, allez, go. On est un peu fatigué par contre, donc on va peut-être pas aller très très loin. Enfin, on va peut-être pas trop forcer. Ok, Blizzard est fini, donc il fait, on a un bon temps. Enfin, le froid est bien. Alors ce qu'on va faire, on va aller à la grotte. On va récupérer tout ce qu'il y a. Oui, il y a des choses intéressantes. Je pense que ici, ça va être surtout baies et champignons en fait. On va essayer de revenir en fait avec énormément de baies et de champignons, et ce sera surtout ça qui est important. Ah, je suis en train de me dire la boîte là. On a la clé. Je crois qu'on l'a vu la boîte. C'est pas l'endroit où on descendait en fait sur le côté pour aller au camp. Genre truc de maintenance là. On allait sur les côtés pour éviter les loups. Et à un moment, on a trouvé une boîte. Je suis en train de me demander si je l'ai pas vue, en fait, la boîte, déjà. Ah, vous voyez, c'est pas loin. La grotte est juste là. Par contre, il faut faire gaffe qu'il y a peut-être... des choses.
peut-être des lapins, à la limite. C'est quoi ça? Non. Je crois que c'était un pied... pas un pied de biche. Hein. Bah si 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 si, je crois que c'était un pied de biche. Putain, il m'a fait peur ce lapin. Il y a bien des lapins. Est-ce qu'on a vraiment besoin des lapins, honnêtement, pas trop. Parfait. On peut prendre ça. Les pots, honnêtement, on pourrait les prendre. On n'en a pas vraiment plus besoin que ça. Donc, bon. Ça, je crois que ça, c'est un cul-de-sac. Ou alors, ça fait tout le tour. Ah, ça fait peut-être tout le tour. Ok, on va peut-être pas y aller maintenant parce qu'il va faire nuit et on est fatigué. Non, ok, bien sûr. Il y a encore un lapin qui traîne. Ça a touché. Zuzu! Non, il n'y a pas de massette. Je pensais, j'avais dans l'espoir d'en trouver une ou deux, mais... Pas du tout. Ah, c'est galère pour monter. Par là. C'est embêtant parce qu'on a un beau temps là. Ça me donne envie de me balader. Mais en même temps, en fait, on est fatigué. Il va faire nuit. Donc, c'est pas. Ça sert à rien de. D'essayer de forcer en fait. Ah, par contre, on peut peut-être en profiter pour récupérer la viande du cerf qu'on a vu. Ouais, on va faire ça. Parce que c'est vrai que je suis encore un peu limite niveau ressources. Il y a l'eau un peu qui manque. Wow, non, ce n'est pas. Je me suis dit, ouais, il y a plein de petits morceaux de bois, mais en fait, non. Quoi, ce bois? Non, c'est moi qui hallucine. Je crois qu'il y avait quelque chose qui avançait tout doucement derrière moi. Comme je disais, le cerf, la peau, peau et boyau, on n'a pas vraiment besoin. C'est pas vraiment l'endroit où on va revenir, honnêtement. Donc, ouais. Vous savez, normalement, je fais toujours un petit tas de ressources à l'endroit où on reste. Mais là, non, c'est pas vraiment utile.
Ça nous permettra de pouvoir porter plus de d'autres ressources, en fait. Il y a des corbeaux partout. J'aime bien parce que la vallée, elle était... Genre, la vallée, elle avait aucun problème et tout ça. Il n'y avait pas de bruit et tout ça. C'était la mort, quoi. Maintenant, il y a des corbeaux là-bas, il y en a là-bas, il y en a là-haut. C'est... Il n'y a pas un bruit de silence, là, c'est fini. Enfin, il n'y a pas un silence du maintenant. C'est... Oh là là. Ah, ça vous rendrait fou, hein. Corbeaux de tous les côtés. Incroyable. Ça me fait marrer. Alors maintenant la question c'est, est-ce qu'on fait un feu? On refait un feu ou pas? C'est ça en fait que je suis en train de me demander. Je pense qu'on va devoir faire... Ouais, on va devoir faire de l'eau. Parce que qu'est-ce que je voudrais faire encore? Faire un peu le tour, récupérer le... Récupérer la caisse. Est-ce qu'on peut faire un feu, genre là-bas, dans le coin, comme ça? C'est du pareil au même, je crois. Come on, little fire. Come on. Très bien. Donc, cru. J'entends des trucs qui galopent. Mais ça encore une fois, c'est en bas. C'est marrant parce que... Est-ce que le feu, là, il s'ajuste par rapport au niveau du sol ? Je crois qu'avant ils faisaient pas vraiment ça. Hein. Je crois qu'ils ont dû l'améliorer là. Vous avez vu? Parce que ça c'est plus haut, bas que celui-là. Je me rappelle pas que le feu il se... Bah il faisait ça en fait. Je sais pas. Tant mieux hein, si c'est vrai, mais ouais j'ai l'impression que c'est mieux. On a ça, on va d'abord manger le loup, parce que c'est celui-là qui a le moins de calories pour un kilo. Très bien. Enfin, techniquement, non. Techniquement, on aurait dû manger ça, donc je viens de faire une connerie, c'est pas grave. Ça m'arrive souvent. Je vais déposer le bois. Qu'est-ce que je voulais faire? Non, qu'est-ce que je voulais faire en fait? J'avais envie de déposer. Ah oui, sinon, si, ça. Ah, parfait.
12 minutes. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ah, vous avez vu, il s'est mis à... au niveau. Donc c'est même pas bien codé. C'est cool. Ah, j'en ai marre. J'en ai marre. Vous avez maintenant, c'est les deux se sont mis au même niveau. Alors que tout à l'heure, ils étaient beaucoup mieux placés. Compliqué, hein, compliqué. Hein. Très compliqué. Hein. Je suis en train de réfléchir de ce qu'on pourrait faire pour passer le temps pendant que ça cuit. J'ai fait les duvets, j'ai rien à préparer techniquement. Non, on est bon. Hein. On est bon, on est bon, on est bon. Hop. Pour passer le temps comme d'habitude, bêtement. Mais ça c'est ouais, deux duvets quand même. Évidemment le vent. Ça contient beaucoup de calories, hein, c'est les oiseaux, hein, les nouveaux oiseaux. Des fois, j'ai remarqué... Enfin, quoique non, les lapins, c'est... On va dire que... Il y a souvent plus d'un kilo, en fait, je trouve, dans les oiseaux. Alors que les lapins, c'est souvent... Bah, c'est pas souvent le cas. Je dirais. Je dirais qu'en général, les ptars mingan, là, ils donnent plus de calories que les lapins. Parfait. On est parfait. Ça c'est bon, ça c'est bon. Ça je crois que c'est long. Ouais, 54 minutes. Un jour on y arrivera un jour. Ok, raccommodage niveau 5. Un jour. C'est énorme que fabrication de munitions soit aussi élevée, c'est marrant. C'est assez drôle. Au final, quand on y pense... Extrêmement déçu hein, de la pêche sur glace. Hein. Mais c'est pas vraiment. Le nouveau système est pas vraiment top. Hein. Puis le pire, ça reste. Ça. Ça reste quand même le fait que. Même tout ce qui est appât et tout ça. Genre bait, appât. Genre les... Pardon, hameçon et appât, c'est ça que je veux dire. Genre hameçon et appât, ça marche pas des masses. Hein. Je vais être honnête, hein. Moi je trouve que c'est très très bof. Quoi? J'ai cru entendre un élan. Peut-être un élan en bas. Hein. Faire attention hein, de pas trop s'approcher. Hein, parce que des fois, ça descend et boum, vous pouvez plus monter. Donc faites gaffe. Mais ouais, je sais pas, je trouve que
j'ai été assez déçu en fait par la pêche, personnellement. Il parlait de comme quoi ça allait être vachement bien, vachement cool et tout ça machin. Final, bof, ça change quasiment rien. C'est pas plus facile pour pêcher des poissons. Après, c'est l'expérience que j'ai eue. Ça veut pas dire que tout le monde doit avoir la même expérience, hein, mais voilà. Je suis un peu déçu quand même. Pour résumer, je pensais que les appâts et les hameçons en fait seraient beaucoup plus efficaces. Je pensais vraiment ça. Que genre en une heure au moins on aurait toujours le minimum deux poissons, même si on est niveau genre 1 par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est vraiment pas le cas. Alors, hop. Ça fait nuit. It's dusk, so night can't be far behind. Est-ce que j'aimerais que tout ça se mette dans l'ordre, pas alphabétique, mais dans l'ordre de type de choses, ça serait vraiment pratique. Parce que les Ptarmigan, ils sont en haut, après tout ce qui est cerf et tout ça c'est en bas, c'est très bizarre. Enfin, gibier. Des viandes de loup et lapin, tout ça c'est en bas. Je sais pas, c'est bizarre. Ok. Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on a encore des trucs à... Pas vraiment. 50 minutes? Ouais, 50 minutes. 50 minutes... J'ai envie de tester. Ah putain, non, on va pas tester. Ouais, non, alors non. Pas du tout. Ça a soufflé vraiment en plus sur nous, c'est cool. Super. Voilà, c'est bien. Maintenant, on se tape de l'humidité. Et c'est marrant, c'est ça le problème, c'est que on se tape de l'humidité alors qu'on a... On a chaud. Ah bah tenez, on va pouvoir tester. On stable l'humidité parce qu'on était dans le vent, ok? Si je me mets là, donc là je suis à l'abri du vent et j'ai la chaleur. Humidité 8%, ok? On est toujours à 8%. Ça baisse pas. Vous voyez, non, ça c'est toujours bugué. Avant ça faisait qu'augmenter, donc avant c'était pire. Avant c'était pire. Quand j'en avais parlé, le bug c'était que ça faisait que augmenter en fait, même si vous étiez à l'abri et à la chaleur et tout ça. Parce que là on a ressenti 12. Mais... Ouais, non, ça baisse pas. Par contre, si je fais ça... Oh, le vent, il a été complètement soufflé. 5, oui, ah, directement. Parce que ça va très vite. 4. 3. Le reste change pas du tout. Hein. Le reste reste pareil. 1. Vous voyez? Il y a toujours ce bug. C'est ouf, hein? 0. Voilà. C'est ouf, hein, de pas avoir corrigé ce problème, hein?
Je trouve ça incroyable de toujours pas, après à peu près 4 mois, de toujours pas avoir corrigé ce problème. Là on vient juste de le voir. Et c'est très très simple de le voir. Hein. En 3 secondes, j'ai fait le test. C'est incroyable. Et puis on voit que c'est un bug. Pourquoi? Parce que les différentes parties en fait de vêtements ne réagissent pas pareil. Si on en met une par terre, on la reprend. L'humidité ou la gelure et tout ça, ça va baisser. Alors que les autres, ça continue, ça bouge plus. Les autres bougent plus du tout. Donc quand vous avez différentes parties de vêtements qui réagissent pas pareil, il y a un problème. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ouais, je trouve ça incroyable qu'ils aient toujours pas corrigé ce bug. Ils l'ont amélioré, comme je dis, parce que normalement, avant, on continuait, je crois, à augmenter en humidité et tout ça, je crois bien. Maintenant, non. Mais non, c'est toujours là. C'est incroyable. Ah, il y a écrit odeur maintenant. Est-ce qu'il y avait écrit odeur avant? Je crois pas. C'est fou, quoi. Mais enfin, c'est pas grave. Non, on va s'arrêter là. Prochain épisode, je sais pas trop en fait ce qu'on va faire. On part et on essaye de trouver donc du coup la boîte, et je crois savoir où elle est, la boîte. Ou on part et on prend la boîte et on rentre, tout simplement. Ou alors on refait encore un petit tour. Mais honnêtement, je crois qu'on a plus ou moins tout fait. Alors après, un truc qu'on pourrait faire... attendez, si j'arrive à vous montrer... Alors... Nous, on est là. En plus, je disais qu'on était là, en fait, pas du tout. Vous voyez, on a tellement tourné tout ça que moi, j'ai l'impression qu'on est sur le côté gauche, en fait, pas du tout. Non, non, on est sur le pavillon de chasse, nous, là. Donc ça, c'est la boîte qui est là. Je pense que la boîte, on peut y aller. Je pense que ce passage-là, peut-être qu'on revient, en fait, ici. Donc on pourrait peut-être y aller. Ça, c'est où il y a la grotte. Vous savez, quand j'ai dit que c'était un cul-de-sac, en fait, c'est pas vraiment un cul-de-sac. On peut faire ça, mais je sais pas si c'est vraiment, vraiment très, très intéressant. Après, alors, si ma mémoire est bonne, je... Oui, bah oui, on peut. Il y a les massettes et tout ça. Réserve de provisions en plus. Ouais, il y a cet endroit-là. Mais je crois qu'il faut prendre des cordes. Je crois qu'il faut prendre une corde. On pourrait aller visiter ici, prendre toutes les massettes, comme ça, ça nous fait une réserve de massettes. Ouais, à la limite, on pourrait faire ça, mais on fera ça en deux temps. C'est-à-dire qu'on rentrera d'abord à l'abri, on va se vider à l'abri, genre on va prendre tout ce qu'il y a dans le pavillon, on rentre à l'abri, on se vide à l'abri, on va trouver la boîte, on va récupérer des objets ici, même les massettes ici. On fait toute une bonne réserve, tout à l'abri, puis après on choisira ce qu'on prend pour rentrer à la maison. Je pense. Ouais, je pense qu'on peut faire ça. Chut, je suis en train de parler. Et pour revenir par contre à l'abri, on peut peut-être passer par là. Je sais plus exactement si c'est vraiment un chemin, mais on pourrait tester. Ouais, on va faire ça, on va faire ça. J'espère que je m'en rappellerai d'ici là. Mais ouais, on va faire un truc comme ça. On va faire un truc comme ça, ça nous fera une petite aventure et tout ça, c'est cool. Je pense que c'est pas mal. Je pense que c'est pas mal. C'est pas très dangereux et ça nous fait faire tout le tour et récupérer pas mal de petites ressources, genre massettes, champignons, baies et tout le bordel. Donc c'est cool. Ouais, on va faire ça la prochaine fois. On va rester encore un ou deux épisodes ici. Je vais être honnête, je croise les doigts pour potentiellement avoir la partie 4 entre temps. Comme ça, on pourra enchaîner sur autre chose. Mais je pense que non. Donc après ça, on essaye de faire genre deux épisodes encore ici. Puis après, je vais voir qu'est-ce qu'on pourrait faire. J'ai pas vraiment envie de faire de pause pour vous, en fait. J'ai pas vraiment envie de faire de pause, mais je sais pas vraiment quoi faire. Ouais. Je vais devoir réfléchir. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé. À la prochaine. Portez-vous bien. Ciao, ciao.